Bienvenue sur le stand Volkswagen du Salon de Munich 2023. Nous sommes ici avec l'ID.Buzz LWB. Alors LWB, c'est pour Long Wheelbase, donc ça veut dire un empattement allongé. Et effectivement, ce buzz est nettement plus long que l'ID.Buzz classique puisqu'il fait 25 cm de plus, au culminé à 4,96 m. Alors ça a plusieurs intérêts, déjà techniques, puisqu'il peut embarquer une batterie qui est plus grosse. Initialement, elle fait 77 kWh, ici on est à 85 kWh. Il inaugure également un nouveau moteur de 286 chevaux, et puis c'est surtout à l'intérieur que cela présente des avantages. Alors clairement, il offre beaucoup plus d'espace que l'ID.Buzz classique. Déjà, il peut embarquer jusqu'à 7 passagers, suivant les configurations. On peut avoir également une configuration avec 2 places devant, 2 places au milieu et 2 places derrière. Et là, clairement, le siège qui est devant moi, il est reculé au maximum et j'ai beaucoup d'espace. Franchement, je suis bien installé, j'ai une bonne posture pour les genoux, pour les jambes, également pour la tête. Donc là, franchement, on peut partir à 7 sans trop de problèmes. En revanche, au niveau coffre, là, c'est un petit peu juste. Alors, il nous reste encore tout de même une inconnue, c'est son prix, hein, mais on estime un tarif de base aux alentours de 70 000 euros. Mais ce qu'on sait, c'est que cette version est homologuée pour parcourir 475 km selon le cycle WLTP. Alors, il arrivera en 2024. Il sera également rejoint par une version GTX plus puissante de 339 chevaux. Alors, difficile de se prononcer, hein. Un côté oui, parce que le fait d'avoir une plus grande batterie, ça permet d'aller plus loin. En revanche, tant qu'on ne connaît pas le prix, moi je ne peux pas me prononcer vraiment.